Salut les gens, c'est Tardarin. On se retrouve avec Slan, Brudaf et le Cygne Noir pour la suite de nos aventures sur Europa Universalis Lions of the North. Bonsoir les gars. Salut tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on vous prévoyait de beau aujourd'hui? Moi ce soir je vais attaquer les Oirats et le Ming. Alors moi c'est la prise du Mamelouk là. Normalement je lui lance une reconquête avec la Syrie. Ça va me permettre de le piquer bien quand même. Voilà. La reconquête, elle est où? Elle est là, ma reconquête. Et apparemment, Khorasan vient pas là. Donc, ce sera déjà plus facile. Je me demande même si j'ai besoin de vous, les gars. Bon, ils sont 100 000, je suis 100 000, c'est des mercenaires, je vais me faire défoncer. Allez, hop, c'est parti. Les prêtres répondent l'hérésie. Oh. C'est dans 4 mois, donc le Scandinave, tu peux commencer ton mouvement. Moi, je vois qu'il y a le Portugal qui commence tranquillement à se préparer à prendre les colonies du Mexique. Ah non, mais je vois que tu prends les colonies du Mexique. Bah oui, c'était. Bah j'avais prévu de m'arrêter là ou non? Le Mexique, ça fait pas du tout partie de l'Amérique du Nord. Ça, tout à fait, là, tout à fait. Tout comme le Texas qui fait partie du Mexique. Mais j'ai pas eu mes 1000 balles par contre. Du coup. Non, et je peux pas te les envoyer parce que j'ai 881. Du coup, je viens pas. Fais le déplacement quand même. Si je viens, mais faut que je remonte mes bateaux un peu parce que sinon ils vont couler là sur le trajet. Super. Ça me rassure. Alors, mais je viens de les améliorer. Donc, Il y a des bateaux en mousse. Normalement, c'est à toi que j'ai envoyé 1000. J'espère que je me suis pas trompé. Non, c'est bien à moi, je confirme. Ça me fait plaisir que tu accuses réception. J'ai peut-être cliqué un peu vite. Bon, par contre, 1000, c'est beaucoup là quand même. J'ai vraiment plus les moyens. Kazan. Ah, j'ai 3 provinces à Kazan. Bah tant pis. On va créer Kazan. Est-ce qu'il est de la bonne religion? Il est pas de la bonne religion. Tu lui imposes. Bah, oui. De l'ivoire de qualité. Bah enfin, un event qui sert un peu. D'où t'as de l'ivoire? Toi, t'as des éléphants? Bah, je suis en Afrique, moi. En Afrique, ils ont pas d'éléphants. Bah tiens. Fake news. Octobre, ok. Je suis à moins 112 en diplomatie. Ça pique. Mmh, 13, oui, donc on a encore un peu de temps. On va pas se précipiter. Et de toute façon, je dois absolument passer l'institution d'abord. Elle est où l'institution là? Mais qu'est-ce qu'Aigland l'institution? Tu te bouges? 4,92%, 1,28%. Et comme par hasard, en Allemagne, par contre, ça va à toute vitesse. Salut. Ah, c'est l'anglais qui est venu s'installer en Haïti. Bah voilà. Tranquille, bah attends. C'est tout bon. Bah. Bon, te fais pas d'illusion, il va te le faucher, l'autre. Bah, il est en guerre jusqu'en. Il est en paix jusqu'en 57. Bah oui, non, ta trêve va se terminer plus tôt, normalement. Puisque t'avais dans 20 fait minutes, déjà putain, la. Mais moi, je suis. Moi je suis plus en trêve avec l'Angleterre, ça fait longtemps. Hein. Oui, c'est ça. C'est ce qui me semble. Attention, vous êtes prêts pour la guerre parce que moi je le déclenche instantanément. Vas-y, j'arrive. Vas-y, j'arrive. Comment ça me rassure pas cette histoire? Pourquoi ça te rassure pas? La trêve a expiré. C'est fou ça. J'ai cliqué pile poil au bon moment, bah ça s'est quand même arrêté le 2 janvier. J'aurais pas été étonné que le mec ait le temps de rentrer dans la coalition, quoi. Le 1er janvier à minuit, une. Genre, ah, coalition. Alab, est-ce que je coche quelqu'un? A priori, Wadai, ça entraîne à Oussa, donc non. Portugal, Scandinavie, Zou. Allez, on est 200 000, ils sont moins de 100 000, hein. Donc, bonne chance à nous. Alors, je peux intervenir dans un conflit aux côtés des Mamelouks? J'en ai absolument pas envie. Ah oui? Tu voulais participer, non, justement? Oui, mais pas de leur côté à eux. Ah bah écoute. Je suis contre les païens. Mm-hmm. Tu noteras quand même que ma Syrie est catholique. Hein. Très bien. Continue comme ça. Je ne viendrai pas te taper dessus. Peut-être. Je vois pas l'intérêt de taper sur des bons catholiques si ce sont des bons catholiques. Ah,
Moi aussi, je suis catholique, avec 99% de mon territoire, pas catholique, mais catholique. C'est pas très très catholique tout ça. Non, c'est pas très. C'est un peu catholique. Allez, Loyerat, fais la paix avec la Moscovie. Bon. Où est-ce que tu veux que j'aille faire le taf, Slan, dis-moi. Est-ce que tu peux sortir. Je vais en indépendant cette fois ou. Mamelouk, le nord. Tu contrôles le Mamelouk au nord. Ça me va. Tu débarques à Trébizonde. Je suis parti faire le siège de Damas. De Damas, super. Moi, je vais essayer de passer, d'aller sortir Hormuz. Il va falloir un petit peu d'exploration pour ça. À moins que tu aies une carte de l'Arabie à me vendre. Oups. Il y avait 21 000 hommes sur Damas. Oui. On va y aller à deux. Après, des cartes, ouais, normalement, j'ai les cartes de l'Arabie. Hein. Ouais, moi, je peux pas avant au moins un an, là. J'ai pas assez de prestige. Je suis pas prestigieux. Oh. Tu crois qu'il veut nous tamponner là. Loyrat n'est plus tributaire du Ming. Ah, mais c'est bon pour toi, ça. J'attends que tu sois sorti, puis je lance l'assaut, Boudaf. Ça va être un massacre. Hein. Voilà. Il repart avec ça. Dès que mon assaut s'épuise, est-ce que tu peux me renforcer? J'arrive. Merci. Dès qu'il est arrêté, hein, n'y va surtout pas tout de suite avant. Ah, trop tard. Ouf, bah, t'as tu l'as eu. Bah, heureusement pour toi, parce que sinon, t'aurais toute ta manpower qui partait, là. Ah oui, je suis remonté à 12 000 de manpower, là. mais je t'ai dit, dès que l'assaut s'épuise. Oh, je me suis fait stack wipe à la capitale. Saleté. Tiens, je te file le contrôle de cette province. J'ai arrêté le siège sur la Syrie et stack wipe ses troupes, hein, comme ça, c'est fait. Alors, Boudaf, est-ce que tu peux aller à Alab? C'est l'objectif de guerre. Il a toutes ses troupes devant moi, je suis en train de me faire stack wiper, donc c'est bon, il est géré. Ça ah bah fallait me dire, tu veux que je prenne Alab. Non, c'est bien Boudaf, ça le... Par contre, pas à la base, c'est Boudaf, ce qu'il Non, mais je suis en train de les retirer. Bah, à la base, moi je voulais que le Scandinave il aille plutôt affronter à Kars, les 15 000 hommes. Ouais, c'était mon objectif suivant. Ça marche. Je voulais gérer les 10 000 qui étaient sur la Syrie, là, et comme ça c'était fait. Pas de soucis, moi je suis en train de fuir tranquillement. Ah oui, il y a des beaux casus belli, la Syrie. Alors... Ok, j'ai plus de troupes moi dans le nord, si j'ai des troupes. Les 5 000 qui se sont fait stock wipe, qui reviennent bientôt. Ah oui, les 5 000 là qui repartent. Compagnie des mousquetaires gascons. Ah, les gascons, ouais. Les gascons qui sont une traduction des vascons qui étaient de l'autre côté des Pyrénées, en fait. Mmh. Ouais, mais il y a Hormuz qui arrive au nord aussi là. Et les gascons, c'est donc le royaume de Navarre à la base. Ça faisait partie du royaume de Navarre. Oh, c'est un petit peu. Ouais. Ah bah complètement. Bah, ils ont été. Les Gascons, ils allaient jusqu'à Toulouse. Oui, mais les Gascons, à la base, c'est la partie nord, au-dessus des Pyrénées, du royaume de Navarre. Je suis encore en train de me faire stack wipe en bas, c'est vraiment pas de bol. Je te file les territoires, Alab est tombé. Hein. Excellent, on a l'objectif de guerre. Bon, bah, je sais pas où ils ont caché leurs armées, les mecs de Loyrat, mais... Ils ont pas l'air très très motivés pour venir se battre avec moi. Ils sont en Chine à tous les coups, il est pas en guerre contre le chinois? Ah non, il est en guerre contre moi. Recouvrement des réserves, il modifie de maintenance terrestre, vas-y. Allez, faut qu'on arrive avant que ça tombe là. Yémen a rejoint la coalition. Ah, j'ai des séparatistes macouriens. Ça peut valoir le coup de pas les toucher. Je vais essayer de les laisser vivre. Du C'est bon. On y va. Qui c'est qui veut faire la paix? Ah, ça doit être Wadaï. Il n'a pas forcément apprécié que je lui prenne sa seule et unique province. Pas prenant. Est-ce qu'on est chez moi? On est chez moi, donc je vais prendre Wadaï.
Ok, un petit stack wipe du même look. Moi, il a 40 000 hommes chez moi, j'arrive pas vraiment à les gérer pour l'instant. Bon, il me met des... Ah bah voilà, ça y est, je vais pouvoir les gérer. Déjà, on va envoyer 40 000 contre ces 10 000 à Suez. Enfin, 50... 60 000. Une grande attrition. 60 000 contre 10 000. Allez, on croise les doigts. Et bah, contre coup d'attente, je crois que je gagne la bataille. Voilà. Vu que le siège que fait Hormuz s'est pas pressé, on va attendre un petit peu de se reformer. Ah non, Naples, il y va comme ça avec 9000 hommes. Bon bah... On l'a compris. Peur, Naples. Ça, Naples, c'est le nouveau Suédois, quoi. Attends que j'en fasse une marche, tu verras. Tu vas pas l'intégrer ? Si, je vais l'intégrer. Et par contre, après, je vais attaquer Karakoyunlu pour en faire une marche. Carrière dans l'armée, qu'est-ce qu'il veut ? De la tradition terrestre, il veut me donner, mais pourquoi ? S'il veut une carrière dans l'armée, ça veut dire qu'il veut de la pierre. Exactement. J'ai attaqué à 12 000 contre 15 000. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Tout va bien se passer, tu vas voir. Eh, hey, c'est qu'ils tombent vite les sièges. Bah là, avec les canons, ça commence à être compliqué pour les vieux forts tout pourris. Mince, j'ai perdu. Allez, du coup, je réessaye, mais à 24 000 contre 12 000. Ah, c'est rigolo, j'ai des bonus. Ça, je prends pas. Pourquoi tu voudrais que je prenne ça? T'exagères. Non, je vais te laisser finir de prendre les provinces au nord, le Sing, je vais aller taper sur Hormuz. Ouais, il s'enfuyait un petit peu trop vite pour moi. 6-2-1-4-5-0. Mais 6, demande-moi 2, les 1. Cartes, je le vois Hormuz moi. J'ai pas de prestige, je suis à moins 2 maintenant, j'arrête pas d'en perdre du prestige. J'ai plein, en tant que république, j'ai plein d'événements qui me disent d'accord, que je perds du prestige. Attends, ils se foutent de moi quoi. Crise du sel. 2-2-6 Merde alors. Comment ça j'ai perdu? Merde, 20 000 contre 12, j'ai perdu. Bon, je réessaye. 20 000 contre 12, t'as perdu, putain. Oui, mais je m'en fous, je réessaye. Je renvoie un autre. C'est tellement pas important. Ils sont plus que 15 000 d'ailleurs, les 20 000, donc. Voilà quoi. Allez, on va aller à Mascate. Bon, ça commence doucement à se rééquilibrer ce pays. On partage 3 pièces. J'ai eu que 1,88 sur la somme. Moi j'ai eu 0,90. 0,21. Comme quoi il sert vraiment à rien lui. Punaise. 0,21, c'est ta paye. Tu feras avec. Là moi je peux pas vous aider, je suis fauché. J'ai même pas 5000 quoi. Loirat, il a 2,94 de morale. Oh là 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 là. Bah, il avait 17 000 hommes. Et il en a plus. Stack wipe. C'est ça. J'ai 3,75. Punaise, t'as 5,03 de morale. Oh la vache. Même moi, j'ai plus. Moi j'ai combien de morale? Je dois avoir beaucoup. Ouais, toi t'es bien placé dans le classement. T'as 4,82. Ouais. Je vais me gêner. Pas croire. T'auras du prestige, tu seras à 5. C'est clair. Les Aztecs qui sont devant l'arme teutonique en termes de morale. Quand même. C'est un peu la honte. Ouais, parce que j'ai pas pris mes 5 autres pourcents bonus. Ah, je les vois pas moi les Aztecs. Ils sont à 5,07. C'est normal, c'est le Sing qui est bien développé dans les colonies patois. Ouais, enfin, au Mexique, c'est moi qui ai une colonie, pas lui. Ouais, mais lui, ouais, mais voit les Aztèques. Ça, c'est ce que tu crois. Ouais. Toi, t'es dans le noir. Et comme t'es dans le noir, tu ne sais pas ce qu'il a. Mm-hmm. Ah, mais j'ai du retard en tech diplo. J'ai réussi à rattraper mon retard en tech diplo, je suis content. Scandinave, tu peux wipe le Jaffa ?
Oui. Je le voyais pas, mais il vient d'apparaître fugitivement, donc je vois qu'il y a quelqu'un maintenant. Je vais le chercher. L'Oirat n'a plus que 2000 hommes. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce que tu fous? On s'attendait pas du tout à ce que tu gagnes ta guerre contre l'Oirat. Je fais des sièges autonomes pour l'instant. Il était Q8, l'Odorad, c'était encore plus pourri que moi. Il faut y aller quand même pour être plus pourri que toi. Bah, je suis tech 12 en militaire. Bah, t'es meilleur que moi. Bon, c'est correct, ouais, c'est la norme. Moi je, viens de balancer, moi, je viens de me faire un set de doctrine, donc je dois être que 11. Alors, est-ce qu'on peut sortir du monde ou faire une paix? Alors, déjà, pour la paix, il faudrait que... J'enchaîne c'est un autre ça, c'est quoi, Venise, quoi. C'est moi. On va commencer à tout donner à Siri. Normalement, Siri, je t'ai tout donné, moi. Moi, je t'ai presque tout donné. En Siri, je t'ai tout donné. Ça marche, c'est surtout Siri qu'il me faut. De l'influence sur le pape, ça me sert à rien. Donc du coup, du prestige. Comme ça, je peux acheter une carte. Portugal, je vais t'envoyer une demande. Ah, ça, c'est une colonie, ça, d'accord. Hormuz a soldé l'armée de Perse. Oh, le coquin. Demande de carte. C'est l'Arabie, c'est ça, 21 provinces. Portugal, carte. Oui. Hop. Merci. Ouais, bah dis donc, on voit pas grand chose. Ah, vous y êtes? Ah, il y a tout le monde, il y a Trébizonde, de la Syrie, le Portugal, tout le monde est là-bas. Ah, bah oui, attends. Il a vu, alors. D'accord. Allez, moi, les cartes, t'auras que les côtes, hein. Tu veux l'intérieur des terres, tu te débrouilles, hein. C'est hyper, c'est des cartes partielles. Je suis excommunié. Moi, j'ai des cartes que là où je, vois où je peux envoyer des bateaux. Comme quoi, le français, il t'aime pas. C'est bizarre, hein. Ouais. Mais attendez pas du tout. Alors, on fait de nos guys, ça m'intéresse pas pour l'instant. Comment il s'appelle Siri déjà? Siri. Pertinent. C'est quoi un tinant? Comment on le perd? C'est comme un Fouras. D'accord. Bon, il est temps que ça se termine cette guerre là, je commence à en avoir marre. Puis ton siège, on a pas ça, là. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce misclic? T'as des petits sièges, t'as des petits trucs à me donner, Scandinave. Ouais. Pardon, j'ai une révolte qui vient Portugal de. Portugal aussi, t'en as beaucoup dans le nord à me filer. Mais tu les prends pas ceux-là, tu prends que la... tu prends la Syrie. Tu rigoles. Ça fait du score de guerre. Ils s'en foutent, le score de guerre. C'est le score de guerre que t'as. Merde, à la fin, en fait. Scandinavie. Le score de guerre que t'as à la fin te fait pas gagner plus de quoi que ce soit. Hein. Je le rends en échange des Caraïbes. C'est la contribution dans la guerre, c'est pas le fait d'occuper le truc. Sauf si tu veux faire une paix à part. Mais par rapport à ce que tu touches, ça dépend pas des provinces que tu occupes en fait. Ça dépend de qui l'a prise. Ça dépend du score de guerre que t'as. C'est lié sur la participation du score de guerre, le fric. La répartition du fric. Ouais. Mais non, pour que je puisse faire ma paix, il faut que vous me donniez tout. De toute façon, alors... moi je t'ai tout filé. Ouais. Enfin, à part ce que je suis en train de siéger là chez l'Hormuz. Bah, Hormuz, ouais, on s'en fout. Hormuz. De toute façon, je vais le sortir à part, regardez tout. Syrie, me semble-t-il, ça, hein, on est d'accord. Ah, il y a aussi ça. Bon, d'accord, ça, je le rends, c'est bon. Il y a aussi ça, très bien. Bonne nouvelle de l'efficacité commerciale. Bah, oui, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Bon, bah, du coup, je rentre, je peux rentrer m'occuper de ma. Ouais. Mes rebelles ou... Ouais, ouais, tu peux y aller. Bon, je suis en train de me faire défoncer, mais c'est pas grave. Attends, ils sont où? Ah putain, ils sont tous là-bas, sérieux. Je me fais défoncer un peu partout, en fait. Bon, bah... Bah non, mais t'as... t'as encore besoin pour le... Comment ça, tu te fais défoncer? Mais moi, je les stack wipe, là. Sérieux? Bon, attends, je reviens. Demi-tour. Demi-tour, les gars. Alors, 500. De Ducat. Alors attendez, on va déjà regarder si on peut sortir Benussia. Hop là. 5 pièces d'or à partager, c'est déjà ça. Ah, j'ai 1,72. 0,28. Oh, j'ai augmenté. Ouais, mais c'était 5 au lieu de 3, alors. Ah bon. Peut-être pour ça, ouais. Merci Constance. 23 000 hommes, tu vas peut-être pouvoir gagner quand même là. Oh, yes, j'ai trouvé de l'or. Il a encore de la réserve. Le problème, c'est que... C'est quoi ces 23 000 hommes qui se pointent là?
Fais gaffe, tu es en train de te jeter sur... Ouais. Mm-hmm. Sur 23 000 hommes. T'as c'est gagné. Des mercenaires, ils sont là pour... Un truc de fifou, il a gagné. Tu devrais pouvoir sortir Hormuz, normalement. Allez, faut se, non, faut se regrouper, les gars. Là. T'as vu comment je gère ? Je constate. Voilà, tu ne sers à rien. Rentre chez toi. Rentre dans ton pays. Bon, bah, je rentre, ok. Pas de problème. Dans 20 jours, je tente une paix, là. On est à 90%. De toute façon, faut que je me barre avant la paix, sinon mes bateaux ils vont encore couler. Alors, même look. Combien il me faut ? 500, ok. 72 de maintenance coloniale, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est beaucoup trop. Boudav, je pense que t'as trop de maintenance coloniale. 1, 2, 3, 4, ouais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, c'est un 26, 55. Et là, on a... 23, 69. Donc, c'est moins de score de guerre si je fais restituer. Ouais, quasiment sûr. Hop là. Non, j'en avais pris une de plus. 26, 55. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 23, 69. Si c'est moins, si je fais restituer. Ok, je relâche un peu la pause. Je m'en vitesse 1 le temps que je fasse ma paix. Parce que là, on va perdre du score de guerre pour rien. Punaise, j'ai chopé ces bateaux sur le trajet. Attends, je mets sur pause parce que si je fais la paix, il n'y aura pas de bataille. Bah, la bataille est en concours là. Oui, ça va l'annuler si je fais la paix. Non, mais oui, mais tu vas avoir moins de score de guerre, parce que, enfin, moins de volonté à ce qu'il fasse la paix parce qu'il y a une bataille en cours. Ouais, il est en train de la perdre, ouais. Donc je pense. Là, que... il fait une paix à 87% là, effectivement. On pense gagner cette bataille navale. Non, à partir du moment où une bataille en cours, t'as un malus d'acceptation de la guerre. De la paix. C'est vrai. 100%. Le commandant qui est mort, quoi. Mais il faut arrêter de mourir. Hein. Bah, relâche et tu verras la fin de la bataille navale. D'accord, bon, bah, écoute. Tu me dis quand c'est bon. Bah, écoute, pour l'instant, il perd des bateaux. Moi, non. Bientôt fini. Ça marche. Et j'ai capturé son vaisseau amiral. Youpi. Ah bah comme ça on sera deux. J'ai toujours hein, le vaisseau amiral du même look. Hein. Non, la bordel cela ne... La paix. Juste avant que mes troupes embarquent, quoi. Oh non! Bah, on rentre à pied, tant pis. Bah, non, tu peux remonter dans le bateau, je vais te donner le droit de passage, le droit de mouillage. Non, c'est bon, mes bateaux ils repartent tranquillou et. Ils sont repartis sans les gens, quoi. C'est ça. Ah bah, bravo. Faut qu'ils tracent avant de commencer à prendre vraiment de l'attrition. Lors de la dernière guerre, je lui avais capturé genre 5 vaisseaux lourds, ils ont tous coulé avant que je revienne. Non! C'est triste. Carrément, c'est très très triste, j'étais hyper triste. Tu peux repasser vite ici? Bien sûr, je peux. Merci. Donc Akaba, normalement j'ai changé d'avis ici, je voudrais faire un état en fait.
que tout ça c'est des bédouins. Et je veux accepter la culture. Ça m'arrange bédouin. Pas. J'avais Très prévu la d'avoir France l'accès les... chez le Scandinave du fait qu'on était en guerre ensemble. Tu voulais lancer ta petite guerre. Ouais, je peux largement la lancer quand même. Hein. Ok, la coalition contre moi se renforce évidemment au lieu de péter. Jusqu'ici, il n'y a rien qui me choque. Je vois pas pourquoi, moi, par contre. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Je comprends pas. Le commandant m'a quitté. Demandez la paix. Là, il veut bien. Parce qu'il veut bien relâcher aussi l'autre. Donc là, on est d'accord que normalement, je vais en faire un état. Pour pouvoir ici faire Petra, ce qui est très important pour moi. Parce que Petra me donne de la réputation diplomatique et de la relation diplomatique. C'est-à-dire tout ce que j'ai besoin. Gondole extravagante, hein, de la stab et du prestige. Pourquoi? Pourquoi faire? Ouais, mais il n'y a pas de thunes, j'aime pas les events où ça me donne pas de l'argent, quoi. Tout ça un petit peu agaçant. Oh. C'est agaçant. 86 sur 100, hein. Je crois qu'il faut que j'achète des troupes au corps. Bon, France. Voilà. Bah oui, t'es amical envers moi. Bah écoute, c'est toi qui as pété le truc, hein. Pas ma faute, hein. Bon, ça serait bien que je puisse m'allier à l'ordre teutonique. Faudrait un moment, un seul instant où je sois pas excommunié pour qu'on puisse s'allier, pour faire péter ma coalition. Bah dès que le prochain, dès que le pape meurt, tu sautes dessus. C'est pas le pape, c'est moi. Je reste excommunié quand le pape meurt. Faut que je meure moi. Et que je me fasse pas excommunier tout de suite. Alors dans ma petite partie test, ce qui était rigolo, c'est que c'est Nap qui est devenu pape, contrôleur de la curie. Le petit Naples de ton... Enfin, le petit plus si petit, mais le Naples vassal de toi. Ouais, le Naples qui est là. Il est devenu contrôleur de la curie. Apparemment, il a investi des points. Allez, Cracovie, niveau 2, c'est parti. Ça devait l'agacer. Que je me fasse excommunier. Quel Kazané, il est devenu fidèle. Bah oui, évidemment, il est devenu fidèle maintenant. Tu m'étonnes. Et on va convertir ces provinces. Ça va aller vite, hein. On va en convertir. Alors, 5 3, tous les 8, 5 mois. 11. Mince, ça fait pas assez. 14. 14 et 5, 19. Ah bah ça fait assez. Ça fait presque assez. Donc là, on est d'accord, c'est des bédouines. J'en ai pris assez. Ça, c'est des Syriens. Cool. Et les Égyptiens alors, parce que le problème c'est que surtout là. Oh non, je peux pas déclarer la guerre. Toujours le conseil de régence. Ah oui. La punaise. Pas de raison que ça change. Alors, alors les Égyptiens, maintenant que j'ai fait ça, est-ce que je peux changer ma capitale? Oui. Parfait. Est-ce que je peux remettre ma capitale économique dans le secteur? Ah, c'est de l'Égyptien ça. Oui. Là, j'ai combien ici? 13, 5, 8. Ben voilà, j'ai assez ici. Hop. Je les avais oubliés. Et hop, go. J'ai l'impression que Ming n'est plus un rival valable. Quoi? Ben du coup, c'est une des mercenaires augmentée. Genre, ils se sont tellement fait défoncer qu'à ce point-là, quoi. Ouais. Alors, les Égyptiens. Il nous faudrait 99 de puissance diplomatique et j'en ai 23. Génial, incompétence administrative de mon dirigeant. Allez, on va reprendre un conquistador. Alors le Ming, il devient quoi lui? Bah il a l'air putain, ils sont plus petit qu'avant. Oh, il y a plein de rebelles chez lui. C'est parti. Il est à moins 46. Il gagne du mandat, par contre il a passé toutes les réformes. Mais il a l'air de quand même se casser la figure. 2,43 par mois, ça commence à bien monter. Ouais, il a les rebelles dans le sud. En diplomatique, combien? Allez, on investit. Ouais.
d'armée. Enfin, déjà, j'ai une troupe de mercenaires à supprimer. C'est pas tout de la suite. Grande compagnie. Ouch. Mince. 74 sur 101, il me manque 27 000. On va faire 27 000. Tiens, 27. Compagnie nubienne. Attends, t'as quel techno, toi comme... Oh, Tombouctou en train de se faire bouffer par Mossis. Les Suisses, ils ont 13. On va faire les Suisses. Ça convertit. Ça me coûte 0,01 ou 0,03 au plus cher de convertir des provinces. T'as bien de la chance. Waouh. C'est quand même bien ouais, pété. J'ai pas compris pourquoi tu voulais convertir les gens, les pauvres gens. Mais c'est pour leur bonheur. Ils seront plus heureux de se convertir. Pour le nôtre de bonheur, c'est la fin de l'épisode. Oh non, pas déjà. Et c'est on déjà. On commence juste à s'amuser. C'est vrai. Oh. Terrible histoire, terrible histoire. C'est toi, Arda. C'est à moi. Ah bah oui, c'est vrai, c'est à moi. Et bien, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à mettre la petite cloche si vous êtes abonné, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. A plus. Ciao tout le monde. Bye bye.